Ah c'est là-bas, c'est là-haut? Ouais, ça va. Ça va, ça va. On va rester ici. Dis pas qu'il a rien donné. Allez hop. On tombe les clés les gars, on rate jamais un pod hein. On peut pas se permettre. Ça nous ferait perdre des parts de Dante. Bonjour à Yassinou, bonjour à Rance, bonjour à Nixla, Nozifix. J'ai un peu la tête dans le brouillard. Et toi, Panda, merci pour les formats. Avec grand plaisir, mon poteau. Bah, moi, ça va au top, hein. Ça va au top, mon copain. J'espère que ces formats te seront utiles pour. En plus, on est en week-end x2 affinité. N'hésitez pas à en profiter. Vous l'avez jusqu'à demain, normalement. Jusqu'à demain, vous êtes sous booster affinité. Oh, j'arrive pas à l'avoir. Oh, deux clés. Deux clés, hein. Ah, c'est pas le bon. Attendez, mais c'est quoi comme clé que j'ai là? Ah, c'est celle-là. Un peu galère à 4. Un peu beaucoup la galère. Ok, les premières rotations faites. Faut qu'on monte très vite en rotation C, comme ça, ce sera rentable. Arrêtez de tuer les gars. Tuez pas quand il y a le... On est en interphase. Tu joues en quoi le tauride contre les murmures? Là je suis en viral juste. Juste en viral pour les trash. Pour les trash c'est bon. J'irai revoir ça plus tard, ça m'intéresse. T'as changé l'angle de la caméra. Ah merde. Pardon. Ouais ouais désolé désolé. J'avais pas vu. Quand en viral le tauride il fume tout hein. Il fume tout très très vite. On ne se prend spécialement pas la tête. Le but c'est de tomber les clés le plus vite possible. Lâchez que le démolisse il est là. Je passe sur mon primer à chaque fois que... Voilà. Comment ça se fait qu'il donne rien? Il est censé donner un truc lui. Il est censé donner un cadeau. Ça, je vais le prendre, ça me fera un indicateur en moins. Allez, on continue. Salut Panda, on peut les échanger? Les parties de Dante qu'on a drop? Non, les parties normales n'ont jamais été droppables, poteau.
Il y a aucune partie normale de frame qui est, échangeable. Hein. Droppable, c'est échangeable que je voulais dire. Donc dès qu'on a un set de Dante, je vais quitter. Et après on partira en level cap avec le Honos. Bonjour Alcazia. Maintenant les mobs donnent de la garde renforcée aux ennemis. Un peu les exec. Voilà, je suis MR30 GG à toi Alcazia. Level 165. Et c'est un tank. Imagine. À 4, le drain d'énergie. Ah, tu parles de si on se tape le drain d'énergie à 4? Bonjour F2O, j'arrive pas à choper le tauride incarnon. Il faut être dans la bonne semaine, Aiden. La semaine où il est là, tu vas pas le chercher, tu l'auras pas, hein, poteau. Chaque semaine, les incarnons qui sont proposés sur le circuit du Viri, c'est pas les mêmes. Un avis sur le Hono, c'est trop bien. Poteau, c'est une dinguerie. J'adore. Je vais faire le level cap après, avec... Je vais faire le level cap après, ça se passera bien. Je vais le faire avec Mirage, les gars. Mirage. Mirage Honos. Ils veulent pas me les dropper, les clés, hein. Bah alors Krabby, oh yeah. Où c'est qu'il est Krabby? Non Krabby, fais jamais ça poteau, laisse-nous te raise. Toujours. Maintenant nous sommes dans l'ère de mieux augmenter Molt Efficiency. Surtout mieux augmenter le fait que quand tu te raise comme ça, bah tu perds ta puissance en plus. Faut vraiment que tu laisses les copains te raise, hein. Les bleus. J'arrive pas à l'avoir. Ah quoi, c'est une deuxième qui est arrivée? Mais non. Je vais le faire tout seul. À 4 c'est pas ouf hein, mais ce sera comme ça tout le temps parce que quand on monte en niveau ça devient de plus en plus dur, donc c'est pas grave. Après la première heure elle est chill hein. La première heure elle est giga chill. Tu joues Trinity, veux que tu castes à fond, tu es la seule Trinity, c'est pas cool. Lui pète son gros crâne. Il manque une petite clé.
Le but du level cap, c'est de farmer des reliques, c'est ça? Non, non, non. C'est juste, c'est juste un défi perso. Clairement, je vous déconseille à tous, les gars, de faire des défis perso comme ça sur cette mission. C'est vraiment un enfer, c'est mal foutu, c'est vraiment... si t'es couillu, viens ici faire un level cap, mais ça sert strictement à rien. Le volume d'axi que ça te donne, c'est pas ouf. Apollo ou Kappa t'en donnera bien plus. Non, vraiment, t'as aucun intérêt. Je t'assure, t'as aucun intérêt. Tu le fais pour le défi, c'est tout. Et histoire de dire, ouais, je suis un bonhomme, je l'ai fait, tu vois. Filme-le pour le garder en souvenir, je te dirais même. Filme-le pour le garder en souvenir parce que tu le feras difficilement deux fois. Bon, moi je vais le faire deux fois pour le défi. Hein. Comme ça, la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas fait en stream, les gars. Donc, j'ai pas ma vidéo souvenir. Mais dès que j'ai ma vidéo souvenir, les gars, j'y retourne plus jamais. Hein. Enfin, j'y retourne plus jamais, j'y retourne pas pour un level cap. Je peux y retourner pour faire une petite heure pour aider les gens, mais c'est tout, quoi. À moins que demain, ils ajoutent un truc en plus qui peut être sympa. Ils pourraient m'inciter à revenir. Et là, pour le moment, il n'y est pas ce truc. Tu vois, par exemple, s'ils mettent 1% de chance d'avoir une charte d'archonte pendant les rotations C, je te garantis, je reviens tous les jours. 1% de chance d'avoir une charte d'archonte, je reviens tous les jours, les gars. Tous les jours, je viens faire 2-3 heures de level cap. Jusqu'à avoir toutes mes shards de maxé sur toutes mes frames. Si DE peut m'entendre, je vous en supplie, faites ça. Je dirais même 0,5% de chance. Et il n'y a que à partir de la première heure que ça en donne, je le fais. J'accepte que les Necramecs me soulève tous les jours. Yo Akula, ça va ou quoi frérot? Bonjour à Damien Drift, bonjour à MSKOS. Comment ils vont les giga fous? Comment ils vont les grands malades? Toujours pas de nouvelles MSKOS? Toujours pas de news. La rotation est faite. On n'a pas encore eu de part, si je dis pas de bêtises. Circuit du VI propose toutes les warframes en normal, oui. Normalement, si je dis pas de bêtises, tu peux tomber sur couleur vaut. Tu peux tomber sur toutes les frames. C'est ça, hein, les gars, hein? Ou je dis de la merde? Parce que moi, s'il y a bien un truc que j'ai jamais fait, c'est bien les circuits en normal, hein. Je n'ai jamais fait un circuit en normal, j'ai fait que des steel pass. Même en termes de ressources, c'est pas rentable, totalement. Totalement, c'est zéro rentable. Vraiment, vous les gars, vous avez vraiment aucun intérêt à venir ici, tu vois. Aucun. La table de loot, elle est dégueulasse. Aucun. C'est pour ça que ça me déçoit aussi un petit peu, tu vois, parce que, bah ouais. Moi, j'avais beaucoup d'espoir de cette mission. Je suis dégoûté que ça en soit là, tu vois.
Bonjour Urban Dark, comment il va mon Urban? Bonjour à God to Die. Ils ont dit, on te fait ça de suite Panda. Merci, merci God. Merci d'avoir relayé l'information. Ça serait bien que ce soit vrai, tu vois. J'adorerais que ton message soit vrai, tu sais. Le blanc, il est là-bas. Ok. Mais non mais attendez, ça c'est de l'autre côté. Mais... Ah non, j'ai récupéré le blanc, il venait d'être posé. Ok. Ok, ok. Rien qu'au niveau des maps, c'est relou, la première que j'ai lancée, je devais avoir 800 mètres, c'est abusé. Ouais, mais ça, je sais pas comment ils en sont arrivés là. Hein. Je sais pas comment ils en sont arrivés là. Qui a dit que c'était une bonne idée? Oh, c'est comme ça. Hein. Empêchera pas de le faire. Hein. J'espère qu'ils entendront mes prières, en tout cas. Si vraiment... Ils annoncent... des shards d'Archon, 1% de chance de drop par rotation. J'y vais tous les jours. Vraiment tous les jours. Je veux trop avoir des shards partout et ne plus avoir à y toucher. Moi j'aime pas devoir redéplacer à chaque fois mes shards et tout, je déteste ça les gars. Bonjour à Gamjo, bonjour à Pity Alex, à Lucar, Viper, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon couleur vaut, non, Warframe, Framable. Salut tout le monde, vous allez bien, comment il va mon Pity Alex? Bonjour à Lucar, bonjour Viper. Il y a des gens qui kiffent ça. Ils font ce qu'ils veulent. Vraiment une personne qui joue pas au jeu. Ah, faut boycott. Allez, je t'ai boycotté, frérot. Tu vas boycotter un truc gratuit. Tu boycottes quand t'as payé, frérot. On te met un truc à disposition gratuitement. Si ça te va pas, tu te tais, tu vois. T'as boycotté un truc gratuit. Surtout que... Si t'as la flemme d'aller la farmer la frame... Oh bah poteau... Sors la carte bleue là. Sors la primate carte bleue. Et achète-toi ta petite frame. Et, ou alors tu farmes les plates nécessaires. On est quand même dans un jeu où tu peux farmer directement la ressource payante. Tu peux la farmer directement, tu vois. Et te casse pas la tête en fait. Te prends vraiment pas la tête, ce serait la pire erreur à faire, ce serait de te prendre la tête. Il y a clairement, à chaque fois, il y a plusieurs solutions pour chaque truc. Hein. Rares sont les trucs sur Warframe où t'as genre aucune autre solution que ça, tu vois. Salut El Lobo. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, DE, ils vont te boycotter à toi.
ils vont te boycotter à toi, tu vois, d'avoir dit ça. Et du coup, ils vont t'enlever la possibilité de pouvoir trade avec tes plates. Et ils vont dire, bah alors ? Alors ? Eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Je boycotte Panda, il ne montre pas assez son légendaire front. C'est quoi level cap ? Non mais pitié Alex, c'est quand tu restes jusqu'à que les mobs ils soient level 10 000, poteau. Je te dis pas que tu savais pas. C'est quand même un terme qu'on dit assez souvent, pitié Alex. Entendu, carte bleue. La primée de carte bleue. Il devrait être entre les mains de vos femmes. Elles en font meilleur usage. Allez, on va le chercher, lui. Ok. En solo c'est facile, en soi la pertu c'est juste super long. Ouais, c'est vrai que c'est un avantage quand même qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont... Ils ont quand même un peu respecté les joueurs solo, tu vois. Je pense qu'ils savent que les gens sont principalement des joueurs solo. Ça aurait été dramatique que la difficulté soit aussi prononcée quand t'es tout seul, tu vois. Là je pense que t'es pas bien. Bonjour à K.O. Noir, bonjour à Witch Doctor, bonjour à Melt. Comment ils vont les potes? Comment ils vont les gigabros? Par contre là ça m'inquiète, on va partir faire un level cap les gars là. Hein. Vous êtes au courant ou pas? Je vois pas de part de Dante les gars. Je n'en vois aucun, on fait que des rotations. Ah si ça y est, merci, le destin m'a fait mentir. On a le BP qui vient de tomber. Bon, en plus, je rappelle quand même les copains. Normalement, vous faites juste une heure. Vous avez assez de ressources. Est-ce que quelqu'un peut vite fait me dire combien il faut de ressources pour faire un set? Un set entier, s'il vous plaît. Normalement, en une heure, les gars, vous avez largement les ressources pour récupérer Dante. C'est 540.7, merci mon F2O, t'es un amour. Merci, merci, merci. Là, on a joué 24 minutes. On a déjà eu le BP, d'accord? On a 147 vaisseaux et on a déjà le BP. Donc ça veut dire qu'il faudrait, peut-être 300 et on est déjà à la moitié. En une heure, les amis, vous n'êtes pas censé excéder les 1 heure pour avoir Dante, les potes. Si vous excédez les 1 heure, c'est que vous n'avez pas compris qu'il y avait une boutique qui vous permettait de pouvoir échanger vos ressources. C'est par où le bleu? C'est par là.
500-600, ok. Bonjour à Espion, bonjour à Magnetix, bonjour à Cidé. Bonjour à vous trois, j'espère que vous allez bien. 14,99€ le set. Le set de quoi, chaque attaque, attaque, attaque. Vous faites un level cap là? Non, non. Le but c'est qu'ils aient leur set. Donc une heure, dans une heure là, enfin dans 30 minutes ils ont leur set. Et après on part en level cap au Nos. Ah, si de préférence il peut y avoir une petite pertu là, moi je serais bien heureux. Hein. Rotation faite, on arrête de tuer les gars quand c'est interphase. Normalement, bombe attaque. Normalement, 2 heures de jeu, ça suffit. Hein. 2 heures de jeu, t'as tout. Hein. Vu qu'en 3 heures, moi, bombe attaque en 3 heures. Il me restait 1000 ressources à la fin. J'avais 1000 ressources en plus que je n'ai pas utilisé du coup. En un level cap. Donc maximum 3 heures ici, vous récupérez les capturas, les armes, enfin même pas 3 heures les gars, moins. Hein. J'irais même 2 heures, normalement c'est bon, c'est ça que je disais au début. 2 heures ça suffit normalement. On est tellement chien de clé que les 3 on était dessus. Hein. Le Tauride toujours aussi puissant pour clean des salles de fou. C'est vraiment incroyable cette arme, le Tauride, hein, les gars. Il y a des gens qui pensent que c'est nul. C'est fou. C'est fou. Il y a des gens qui osent dire que c'est nul. On va aller soulever, on va aller reste le copain là-bas. Bonjour M7 Kengoten, bonjour Albatar. À 15€ Mewberu? Mais non, pourquoi 15 balles? Y'a des gens qui payent ça vraiment? Alors,
tu viens avec nous, t'as tout. Oh, je pense que c'est plus la sienne nana que tu payes. Hein. J'imagine que c'est exclusif au pack. Ah, la pop sur moi. Fantasma aussi marche bien sur le Sanctum, ouais. Ouais. Un truc qui aurait pu nous faire beaucoup de bien, c'est d'avoir une Nova Speed. Tu fais vite venir les mobs, tu les fumes vite, et t'enchaînes. Le Tauride c'est nul, j'ose le dire, tu vas faire quoi maintenant? Akula. Salut Astérix, comment il va Astérix? C'est vrai que c'est moche, hein, l'autorite c'est très très moche. Franchement, j'utilise le Lightum, Pertu, Demos, et c'est broken. Lightum aussi, c'est balèze. Hein. C'est balèze de fou. Hein. Quand tu joues ça avec Octavia, tu sais, Octavia, t'as un bonus de multishot si tu tires en rythme. Les dégâts qui sont considérablement augmentés, là. Hein. Moi, je prends, j'aime bien. Allez, il faut une petite clé en plus. Lui, c'est perdu. J'arrive pas à dropper la clé. Ah, il est là. Ok. On a une part de Ruvox. On sera toujours ça de moins à récupérer. On fera juste une heure, hein, les amis. Hein. On fera juste une heure. On enchaîne plutôt bien. 35 minutes, on a fait 10 rotations. Normalement, une heure, là, on a presque tout. On a presque tout en une heure. Et si vous voulez même, les gars, il y a des gens qui galèrent là à l'avoir sur le chat. Je peux embarquer un deuxième groupe, hein. Et cette fois-ci, je prendrai Banshee avec le Strofa, hein.
S'il y a quelqu'un qui dit « Moi je galère trop », je refais un groupe. Ce sera avec grand plaisir. Tu casses combien de fois ton 2 pour tuer avec Trinity? Ah, là, beaucoup de fois parce qu'on est 4. Mais si on était moins, je tuerais beaucoup plus facilement. Et je vous montrerai, pour ceux qui font juste une heure, les gars, la strat avec Banshee, elle est beaucoup trop bien. Banshee Strofa, les potes, c'est incroyablement fort. Ça pourrait en inspirer certains. Surtout que la strat Banshee Strofa, les gars, c'est genre bien pour tout. Voilà, y a pas que venir ici. Hein. C'est un truc, vous devez vraiment le jouer au moins une fois parce que vous allez kiffer. Bonjour Madame Panda. Comment allez-vous? Non? Non? Oui. Ah oui, d'ailleurs, t'as fait ce que j'ai dit? Je t'ai dit? Oh, non, t'as déjà oublié. Non. Les copains, juste pour information. On a déjà mis à disposition la sponsor, on va la faire tout à l'heure, hein, d'accord? Mais c'est comme d'habitude, hein, y a un petit jeu à télécharger, un petit jeu. Alors cette fois-ci, c'est pas un petit jeu, les gars. Cette fois-ci, c'est pas un petit jeu, il est beaucoup plus volumineux que d'habitude. Donc c'est World of Warships, les amis. On va y jouer tout à l'heure. Et toi aussi, télécharge-le déjà. Avec mon lien, hein. D'accord? Il faut utiliser mon lien. Alors si vous cliquez sur le... les copains, si vous cliquez sur le... Excusez-moi. Vous cliquez sur l'image sous le stream de World of Warships, ça vous... c'est comme ça que vous avez... que vous aurez l'affiliation avec, avec moi. N'oubliez pas, lorsque vous avez fini de faire le... Vous allez faire... Oh, Dante System, les gars. Vous faites tout le tuto et dès que vous avez fait le tuto, les gars, vous postez un petit screen sur Discord dans autre jeu. On mettra une petite récompense pour les gens qui participent. Et merci par avance, hein, les potes. Hein. Merci par avance. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire plein de choses. Merci, merci, merci. Ah, vraiment Primo, avec les chars jaunes, c'est beaucoup plus agréable. Hein. C'est un jeu sur PC, oui, oui, c'est sur PC. Mais il est bien, hein, parce que il y a pas mal de gens dans mon entourage qui jouaient déjà avant et qui l'ont déjà poncé avant, donc apparemment il est super comme jeu et je vais y jouer tout à l'heure, moi je vais vous marave. Mon pseudo, les gars, c'est Panda Cosmic parce que Panda c'était déjà pris avec n'importe quel nombre de H, c'était déjà pris, du coup j'ai mis Panda Cosmic. Ça marche, moi, le bâtard, merci. Merci. Tous ceux qui le font, les gars, un immense merci à vous. Alors, on a... l'objectif, il est à 100. Bon. On va voir à quel point on est des bonhommes. On arrivera à se rapprocher du maximum. Et après, il n'y a pas de contraintes. Il faut monter tel truc. Il faut surtout juste faire le tuto. Télécharger, faire le tuto. C'est très rapide. Et ça soutient de ouf. Je vais voir si je peux refaire. Non, 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 mais t'inquiète, bombe attaque.
Bobatak, il l'a trop poncé le jeu, c'est mort. Ouh, pour lui. Snickety snack. Batshot, merci pour ton Prime. Merci à toi pour ton troisième mois d'abonnement. Merci, 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 merci. Merci, mon poteau. Un amour, copain. Hop, il nous a droppé une petite clé. Ah, je vais la prendre et je garde l'autre en réserve. Cosmique comme ton crâne. Panda front cosmique. Non, j'ai mis juste panda cosmique. Panda avec deux A, deux H, hein, et le cosmique derrière. Comment ça, Bombatak? Il faut cliquer juste sur le lien, sur l'image sous le stream. Et c'est lui mon lien de téléchargement. Et vous bénéficiez directement, il y a des avantages, le fait que vous utilisiez mon lien, vous avez directement les avantages en l'utilisant. Oh! Ah mais putain, tu m'as fait peur, The Bix. Tu m'as fait peur, mec. J'ai cru que c'était quelqu'un qui avait quitté mon groupe. Parfait. Déjà une scie d'avance. Salut Panda, je vais d'arriver. On a combien de temps pour faire la sponsor? Et on a 2 semaines les potes. Hein. On a 2 semaines, on est large. On est giga large. À la base c'était 1 semaine. Mais ils m'ont proposé une petite quantité de gens qui s'inscrivent, tu vois. Et moi je leur ai dit, les gars, vous me connaissez pas. Hein. La team ici, nous on est très spéciaux. Je crois pas qu'on peut faire si peu, tu vois. Je crois qu'à la base, ils m'avaient proposé juste 20 personnes qui le fassent, tu vois. Et du coup, j'ai négocié avec eux. Je leur ai dit, vraiment, vraiment, j'ai une équipe de monstres. Mais vraiment, je leur ai dit ça, les gars. J'aurais dit, les gars, j'ai vraiment une équipe de monstres. Ils m'ont dit, ok, bah, si tu veux, on te propose 50. J'aurais dit ok, mais j'ai vraiment une équipe de monstres. Ils m'ont dit bon, à 100 mais pas plus haut. À 100 mais pas plus. Donc même si on fait 50, c'est pas grave, mais... Vu qu'il y a vraiment, les gars, c'est juste celui qui le télécharge juste pour le tester, tu vois. Il est validé, hein, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... C'est juste faire le tuto. Ça vous permet au moins d'en prendre connaissance, tu vois. Je me suis dit c'est plutôt ok, tu vois, c'est pas méchant. Hein. C'est juste je pense que la seule contrainte que vous avez, les gars, c'est les 60 gigas de téléchargement. C'est la seule vraie contrainte. Après moi je suis fibré, les 60 gigas j'ai pas mis longtemps, mais quelqu'un qui a pas la fibre, je peux comprendre que ce soit contraignant. Allez, j'ai la clé. Moins d'une heure. Je pense que c'est moins d'une heure, hein, poteau. Je l'ai pas fait encore, hein. Je le ferai ce soir. Hein. Il me semble que c'est moins d'une heure. Tu sais que Bombatak, tu m'avais dit, toi, combien de temps c'était... toi qui l'as poncé. C'est combien de temps le tuto, poteau? À la création du compte, il y a une ligne de code d'invitation déjà remplie. Petit doute quand même. À la création du compte, il y a une...
Une ligne de code d'invite déjà remplie, petit doute quand même. Je sais pas, bombe attaque. Non, j'ai rien dit du tout, je l'ai lancé la première fois. Il y a plus de 5 ans, je ne m'en rappelle pas. Ah, ok. Il me semblait... bon, si quelqu'un a déjà joué au jeu, il sait nous dire combien de temps ça prend le tuto. De toute façon, je vais le faire ce soir. Ce soir, je le fais. J'ai déjà téléchargé et tout. Bien wesh. Bonjour à Volcan, bonjour à Ursi Gang. Ah, pas de soucis, Zobix. Ah ouais, vraiment, MSKOS ? C'est 10-15 minutes le tuto ? Ok. Ça va alors. Deuxième taux forgé, nice. J'ai lancé la première fois. Mm-hmm. Comment on farme Ghost? C'est sur Kappa, sur Sedna, Volt. C'est vraiment pas dur à avoir. Hein. C'est comme c'est Ghost, c'est pareil que ce qu'on fait là. C'est à force, tu fais des rotations et tu vas avoir des parts de Ghost. C'est juste qu'il n'y a pas une boutique où tu peux acheter Ghost rapidement, tu vois. Alors que là, oui. On va dire que Ghost c'est plus dur à avoir que Dante, mais Kappa est très rapide à avoir. Enfin, c'est très rapide à faire, tu vois. Les rotations sont très rapides. Les maps en général sur Kappa, elles sont très très bien. Il suffit que t'aies pas un long couloir entre les deux salles. Ce qui est plutôt ok, c'est très très rapide à faire. Du coup, j'ai retry, fatigué ce soir en débauchant. Ah non mais hé, bombe attaque, t'inquiète hein. Bombe attaque, il a déjà, ça fait des années qu'il y joue déjà, il a surponcé le jeu. T'inquiète pas poteau. Il y a la Dream Team ici. On a 2 semaines, j'en parlerai aux gens sur Discord et tout. Donc t'inquiète pas hein. Salut Happy, comment il va mon Happy? Ça va ou quoi? Moi je pense en 2 semaines on peut faire les 100. Je pense. Oh yeah. Ah, tu l'as fait il y a quelques mois, ok, Meskos. Bon, c'est un jeu qui est un peu populaire quand même, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà joué. Il est quand même sacrément populaire. On en est où là? On a eu 2 parts de Dante, on a eu 1 Ruvox. Moi je pense les gars, on va tout avoir. Hein. On a 300 vaisseaux. Je pense que les gens là, ils vont pas leur manquer grand chose. Hein. D'ennemis ici. Bah alors, je suis tout seul. Ouais, t'as vu ça, oh Thomas? Yeah. Thomas, c'est incroyable, hein. Et Thomas, tu veux bien me renvoyer le screen, s'il te plaît, en MP? J'ai oublié de le récupérer, je voulais le prendre.
je voulais le prendre pour dire aux gens que ouais, on peut avoir de Energize, parce qu'on avait débattu là-dessus à un moment donné. Donc si tu peux me l'envoyer en MP, tu serais un amour. Je me le garderai en souvenir, je dirais que c'est moi qui l'ai eu. Je dirais, je ferai un post sur Twitter, je dirais « Cher les bouffons ». Ce sera bon texte. Non, je rigole. bonjour à Ozira, salut à toi, comment tu vas? C'est combien d'inhérence Raljak de 9 à 10, j'ai oublié, c'est 512 poteau. 512, c'est le cancer absolu. C'est le cancer absolu. Ah ouais, c'est x2, 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 x2. Ça serait bien qu'ils le règlent un jour, ça. Hein. Parce que quand ils ont fait l'arbre d'inhérence de Duviri, ils ont pas fait ce même calcul. Hein. Le blanc, c'est de l'autre côté. Moi, je l'avais avant de le mettre sur Kappa. Il va bien et toi, il a commis, vous allez bien au top, mon happy. J'offre 30 formats. Je sais pas, je vois pas encore ce que c'est, mais je checkerai tout à l'heure. Je ne sais pas encore ce que c'est. Ah, super. J'ai déjà la bleue, les gars. Allez tous dessus. Ok. Je dois venir sur WoW avec... J'ai pas compris à la Kazam ton message. J'ai pas compris du tout. Si le BP est à 250 avec les ressources, là ils peuvent compléter je pense. Ouais, je pense aussi. On va essayer de rester encore un tout petit peu histoire... De voir si on peut pas faire un peu mieux. Ah. Mais qui voit l'âge? Mais qui voit l'âge? J'ai essayé Inaros DPS? Non, pas encore. J'ai pas du tout touché à Inaros, les gars, depuis la refonte. C'est pas du tout encore ma priorité. Je suis pas un... Voilà. Moi pour le moment là, il faudrait que... Là tout à l'heure on fait le level cap avec le Honos. Après il faut que je m'entraîne avec la nouvelle arme incarnon mêlée là. Pour pouvoir faire un level cap aussi avec. Comme ça on aura tout fait, j'aurai fait les commandes sur Discord. On va checker un peu tous les modes augmente et tout ça je pense. Oh, comment j'ai fait pour me tuer? Pourtant j'avais tout mon overshield. Shadow. Ah merde, il est loin. Ah, j'arriverai pas là. Ah, j'ai réussi à me raise. Non, il a pété le pod. Terrible. Terrible, terrible.
Ça marche, Thomas. Non, après, je rigole, hein, je vais pas le mettre. Mais c'est bien de montrer en exemple, tu vois, si un jour je fais un guide sur le bot, je mettrai ton image et je dirai, les gars, c'est possible d'avoir deux Energize dans le même pack. Ça motivera les gens à faire des missions qui donnent... Oh. Et où le blanc? Bah. Ah, c'est là, c'est là. Il faut aller faire l'autre. Casser Shadow, il est à terre. Oh le nul. Oh. Parfait. Quand on clique sur le lien Warship en Twitch, on est... plusieurs pour qui ça ne fonctionne pas. Il y en a deux qui ont déjà réussi à le valider. C'est bizarre. Wouhou. Ah ok ok. Snickety snack. Guess who's back. Merci Matt. Merci pour le sub offert. Merci à toi. Alors attendez, attendez. Je vais aller voir. Comment il va mon Matt? Est-ce que tout va bien pour toi? Laissez-moi aller checker. Twitch. Ma chaîne. T'envoies pas sur le bon lien? Je me serais trompé? Si je meurs les gars, raisez-moi. Je vais vite fait m'occuper de ça. Alors, ah, si je me suis trompé de lien, je suis vraiment le pire. Hein. Les amis, c'est son tout premier sub. Non, c'est bon. Bienvenue dans la commu. Ced, merci pour ton prime. Merci, merci, merci à toi, mon poteau. Merci, merci infiniment. Pourquoi ça marche pas? C'est pas l'adblock, les gars, qui vous empêche de... Attendez. J'éteins mon adblock. C'est l'adblock, les gars. Les gars, c'est l'adblock. C'est l'adblocker. Désactiver l'adblock pour qu'il puisse... Là, j'ai désactivé juste pour... cliquer sur mon lien et ça fonctionnait. Tous ceux à qui ça marche pas, c'est l'adblock. Merci à toi, mon Ced. Merci pour ton tout premier sub sur la chaîne. Hein. Bienvenue, hein, copain. Bienvenue, bienvenue. Casquette à l'envers. Hop. Ça rend bien en blanc comme ça, là. On dirait presque que je suis beau. C'est fou. Oh. Ah, c'est bon. Merci pour le raise. Parfait. T'as pris le Strofa pour les écrans? Non, non, non. Non, mais si on refait une run après, je le prends. Je le prendrai. Je vais vite fait prendre les styles essence là. Il y a le blanc ici, il est juste à côté, je vais le mettre en deux spi. Après je rapporterai la scian. Wouhou! Snickety snack, guess who's back?
Ah, Okanin. Merci pour le deuxième mois, pour le cinquième mois, à Okanin. Merci à toi, merci infiniment du soutien, mon poteau. Merci. Merci, frérot. Que les BG, vous savez comment on s'envoie les Twitch Drop IG ou c'est directement envoyé IG sans rien faire. T'as en haut à droite de ton écran, t'as comme une petite boîte de réception, poteau. Et tu cliques dessus et tu fais récupérer. Si t'as bien fait le lien avec entre ton compte Twitch et Warframe, hein, ça se fait pas. Twitch ne va pas deviner qu'est-ce qui est ton compte Warframe. Hein. Faut que tu fasses un lien entre les deux. Hein. Donc tous ceux qui n'ont pas fait le lien entre Twitch et Warframe, vous allez sur le site de Warframe, les gars. Vous allez vous log, vous allez en haut à droite sur votre profil. Et il y a un truc, faire le lien avec Twitch. Ok ? C'est vite fait, hein. Ça prend littéralement maximum 2 minutes. Hein. Faut faire quoi comme dégâts dans la pertu pour Dante ? Rad électrique, c'est très bien. Pour les trash, tu vois, si tu joues le tauride, le viral, ça suffit largement. Les amis, c'est son tout premier sub. Fulgou, bienvenue dans la commune. Merci pour ton prime, merci pour ton tout premier sub sur la chaîne et bienvenue à toi, bienvenue mon frérot. Merci. Merci mon gigabro, c'est cool. Bienvenue à toi et j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue à vous. Bienvenue à vous sur la chaîne, j'espère que vous portez bien et c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir. On est à 365, on a toujours que 3 parts. On va essayer, à la prochaine part les gars on pourra quitter. Je voudrais juste une de plus. Ça peut arriver jamais mais on va tenter. Tu conseilles d'attendre pour vendre mes Angstrom ? Moi je les ai mis en vente à 200 plates et j'attends. Moi je pense que ouais il faut attendre mon ref. À combien il est là actuellement le Angstrom ? Juste pour savoir au croc. Les amis, c'est son tout premier sub. Ben, bienvenue dans la commune. Merci pour ton prime Ben. Merci, bienvenue à toi. Un immense merci pour le soutien, merci pour la force, c'est adorable. Merci. Vous êtes les rois les potes. On dit 80, ok. Bon, en sachant que c'est rentable de les vendre à 80, les gars. Hein. Ne faisons pas nos princesses. Hein. Moi, je patiente parce que j'en ai pris beaucoup, j'ai le temps. Mais celui qui les vend à 80, c'est pas une connerie. Hein. Je crois que ça valait 400 ducats. Quand vous le ramenez au prix du plat, les gars, les 400 ducats, c'est pas 80. Hein. C'est beaucoup moins. Hein. Donc, vous êtes très très bien si vous les vendez à 80 plates. Je repasse sur le tauride. Ouais, de l'autre côté. Bonjour à Bardbois. Comment il va le poteau ? On va soutenir un peu vu que je mange tes vidéos YouTube. Ben, merci poteau, merci. Après, un immense merci hein, tous les gens là qui portent de l'intérêt à la chaîne YouTube, les potes. Je suis extrêmement heureux de voir à quel point elle fonctionne si bien. Hein. Moi, je me souviens, les gars, qu'à une époque de ma vie, je voulais grave devenir YouTuber, tu vois. Je me disais putain c'est trop bien alors que j'étais bien installé, j'avais mon taf et tout ça tu vois mais je sais pas j'aimais trop cette vie là. Bon maintenant je suis pas youtubeur hein, je suis streamer hein. Clairement les gars je suis streamer hein. Mais tu peux pas malheureusement ne serait-ce que te faire connaître juste grâce à Twitch c'est pas ouf. T'es obligé de faire un petit peu de YouTube, tout ça, tu vois, mais de voir que ça prend bien et que ça aide énormément de gens. Bah, j'en suis extrêmement ravi, poteau. Ah. Quelqu'un a ramassé la clé. Du coup,
J'ai fini Shloga. J'ai trop raté le stream, le seum. Non, t'inquiète. Après, il y avait un stream cette nuit, les gars. Il y a plein qui l'ont raté, celui-là. Mais je vous posterai ça sur YouTube, les gars. On a fait une giga explication, démonstration de Dante. Moi, les gars, quand je fais une démonstration, je parle pas chinois. On a fait un level cap direct avec. Ça s'est super bien passé avec Dante. Ça a très bien fonctionné. Je sais pas s'il y a déjà eu des level cap de fait avec Dante, les gars. Mais nous, on a fait notre part. Hein. On a fait notre part, les gars. J'ai 75 Prisma Oma, mais non. 75, mais t'es un grand malade. Moi, je fais la princesse. Wouhou! Epsi, guess who's back. Merci pour le troisième mois, mon Epsi. Super intéressant le stream cette nuit d'ailleurs, Panda Love. Ah, on est d'accord. Hein. Mais moi, j'ai trop kiffé. Hein. Même moi, j'ai trop kiffé. Je pensais pas que ça se serait passé aussi bien, en vrai. Je pensais un peu en chier sur les derniers niveaux, mais pas du tout en fait. Mais pas du tout. Vous matez la rediff, allez voir les derniers levels, les gars, jusqu'au level 10 000. Matez les derniers levels jusqu'au level 10 000, les gars, vous allez vous rendre compte que... easy, en fait. Trop easy. Hop. En même temps, on n'est pas habitué. Ménès a la peur de se montrer, elle se balade sous le bureau. Elle est terrible. Il est très fort Dante, il est très très fort. Il est très très fort, c'est une frame qui sera très jouée les gars. C'est une frame qui sera très jouée. Avoir soit un Dante, soit une Wisp, les deux, moi ça me va. Il faudrait voir qu'est-ce qui pourrait être cool en support. Quoi mettre sur Dante? Quoi mettre sur Dante en support? Pas le dispensaire parce que il n'y a pas assez de durée. Je pense. Il n'y a pas assez de durée, les gars. Il faudrait voir qu'est-ce qui serait intéressant. Pas assez d'ennemis là. Hein. Je vais attendre là, hein. Y a personne. Hein. Oh yeah. T'as pris une PLS frérot. J'ai envoyé le screen sur Discord. La rentabilité du stream d'hier, les gars. Vous m'avez séché. Hein. Ménès, je racontais ça à Will to Win tout à l'heure, les gars. Ménès, je l'ai vu boire son thé tout à l'heure. Avec le petit doigt levé comme ça. La tête. Hop, comme ça. Hop. Elle buvait son petit thé. Voilà. Voilà ce que vous avez fait d'elle. Elle a pris la grosse tête, hein. Elle a pris la grosse tête maintenant. Je la reconnais plus, ma femme. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit « Bonsoir, mon cher. » Voilà. Voilà où j'en suis. Alors qu'elle dormait hier. Elle était pas au courant hein, pour ce qui s'était passé. Hein. Mais tu sais, elle renifle la thune de loin. Hein. Oh.
Attrapez la clé, attrapez la clé. On a failli la perdre. Voilà, il y a Larence, cette face qui a up en platine pour ceux qui cherchent des plates, c'est sûr, 2h30, 3h. Il y a Larence, j'ai pas bien compris ton message, Aiden Bush. Il y a Larence Steadfast qui a up en platine pour ceux qui cherchent des plates sur en 2h30, 3h. J'ai pas compris. Il y a une partie, j'ai un peu compris. Ok, il y a Steadfast qui est monté en prix, mais le reste. Ah, il y a l'Arcane. Steadfast qui a up en platine pour ceux qui cherchent des plates. Après c'est le 2h30, 3h, j'ai pas compris. À l'anglaise, exactement. C'est elle qui empoche toute la thune en même temps. Attendez, c'est par ici? Ah, c'est là. Attends, il y a trop de monde là. Viens m'aider, toi. Toi, reste ici. Il y a l'acolyte en plus, il y a tout le monde. Lui là, et ici. C'est où le dernier? Il y a des morts là, non? Ça va être de l'autre côté. Oh, bah j'ai une clé d'avance. Oh yeah. On récupère juste la dernière. Elle est tombée ? Panda et Princesse Mendes. il paraît que vous avez pris un majordome. désolé, j'ai pas écrit son prénom. Pas écrire son prénom. Et troisième Tauforge, mais t'es trop chaud la Kazam, arrête. Moi j'ai eu zéro Tauforgé cette semaine, hein, je te jure. Hein. Oh d'ailleurs, attendez, j'ai pas fait le... J'ai fait la mission Archonte. Marie Kofi, tu es là? On a fait la mission Archonte cette semaine ou pas, les gars? Je suis pas sûr. On est dimanche, là, hein? Il faudrait qu'on la fasse en deux spi. Eh, dis-moi qu'on a une part, comme ça on sort. On a déjà fait 20 rotations. Oh là là. Bon, allez, les gars, venez, on sort quand même. Moi, je pense que vous avez ce qu'il faut pour acheter, pour tout acheter. On a 439 ressources. On va les checker tous ensemble. Venez, on extracte, les gars. Même si celle-là, elle aurait été rapide, j'ai déjà une clé. Tant pis. Ça fait combien de temps? 1h15. Moi, je pense 1h15, on a tout. Hein. Tu l'as pas fait, t'as pas fait cette mission là, Damien? Ah, l'Arconte, ok.
Ok, ok. Allons voir la boutique de... Je crois que c'est chez Lloyd. Hein. Il me semble que c'est chez Lloyd. Et c'est les recherches de Dante. Alors attendez, on a eu le BP et le système. Donc là, il faut 90 et 90. Donc on a fait quasiment 500, hein, d'accord ? 90 et 90, ça fait 180. On a eu une blade qui vaut 45, donc il faut acheter... Attendez, je vais prendre une calculatrice. 90 plus 90 plus 45 plus... Pas plus 45 encore. Plus le BP de l'arme. Oh, c'est 180 ? Mais non, c'est 360 l'Onos ? Après, l'Onos, c'est... il se craft direct. 180. Et il va vous manquer juste un BP d'arme. Il vous manquera juste le BP d'Onos. Mais vous avez déjà une arme et Dante. Le groupe qui est venu avec moi. Ça marche. En tout cas, bah, merci à vous. Merci Cassé Shadow, merci Overtoxic et merci à Krabi. Merci à vous tous les potes.